D'accord, je disais donc que cette soirée était organisée conjointement par trois associations, la FEP et son antenne du Rhône, le CERP, toute jeune association centrée sur la recherche et du haut potentiel, autour du haut potentiel, mais aussi organisée, j'en étais là, ce soir par la PIRAF, Association des psychologues industriels Rhône-Alpes-Forez, vénérable association initiée dès l'été 1965 dans un souci de promotion de la psychologie du travail et d'ouverture à tous les domaines, enrichissant la réflexion et la pratique des psychologues qui œuvrent dans le champ de l'entreprise. Et nous savons tous combien le sujet qui nous anime ce soir impacte tous les domaines de notre vie, personnelle ou professionnelle. Un grand merci à son président actuel, Fabrice Collomb, de l'avoir compris et de s'être joint à nous pour cette soirée. Spécial encore parce qu'en situation de sortie de confinement, ce qui pose un sacré paquet de questions, mais aussi une formidable opportunité pour nous tous, peut-être, de penser autrement à la société dans laquelle on vit, celle qu'on veut pour nos enfants, le rôle que nous pouvons tous, à notre niveau, y jouer. Loin peut-être de l'illusion d'un monde d'après et refusant la fatalité de retrouver à l'identique le monde d'avant. Spécial enfin parce qu'honoré de la présence de deux intervenants, Carlos Tinoco et Sandrine Janola, qui nous ont fait l'immense plaisir de répondre très vite et avec enthousiasme à notre invitation et nous ont gratifié d'une totale confiance quant à l'organisation de cette soirée. Nous allons essayer de nous en montrer dignes, tant d'un point de vue technique, et c'est toujours un défi, qu'en termes de contenu. Pour terminer cette petite introduction, comme cette partie-là passe toujours à la trappe en fin de réunion, n'est entendue par personne, nos vies nous appelant avec insistance pour reprendre leur cours, permettez-nous de remercier tout de suite Bruno Darcet, sans qui vous ne nous verriez ni ne nous entendriez, bref, sans qui rien de tout cela ne serait possible, ainsi que nos deux modératrices, Carole Loget, dont nous avons déjà parlé, et Catherine Garcia, qui vont réceptionner, regrouper et me transmettre les questions que vous vous poserez tout au long de cette soirée. Ce sont en grande partie vos questions qui feront la qualité de nos échanges, alors surtout, n'hésitez pas. J'essaierai de les poser toutes et au mieux au fil de la soirée. Alors, Carlos Tinoco, vous êtes agrégé de philosophie, psychanalyste, essayiste. Vous êtes également auteur de, entre autres, vous êtes également auteur de Intelligent, trop intelligent, avec pour sous-titre Les surdoués de l'autre côté du miroir. Sandrine Janola, vous êtes psychanalyste, comédienne et musicienne. Tous deux, vous êtes associés avec Philippe Blasco pour écrire Les surdoués et les autres, penser l'écart. Par ailleurs, je crois que vous animez le théâtre de la croisée. Si je ne me trompe pas, toujours. Non. Une compagnie, oui, en effet, qu'on avait montée il y a D'accord. quelques années. Ok, qui est en suspens. Oui. Alors peut-être pour ouvrir l'échange, je voudrais faire part de ce que nous entendons toutes et tous à travers médias, manifestes et pétitions. Le monde d'après ne ressemblera en rien au monde d'avant. Nos valeurs ne pourront pas être les mêmes. Sans cela, nous allons à notre perte, etc. Vous y croyez, vous, à un monde d'après ? La question s'adresse à qui ? À qui veut, puisque nous avons opté pour une parole libre entre vous. Alors, un monde d'après ? Ah oui, je m'entends, hein, c'est bien à l'Arsène. Mmh. Ouais. Commence à parler. Je pense qu'il y a une nécessité d'un monde d'après, en tout cas. Moi, je parlerais mm-hmm. bien de la nécessité, de toute façon, d'un monde d'après. Mm-hmm. Je pense qu'il y a eu un effet profond. Cette expérience qu'on vient tous de vivre avec le confinement,
à lever une espèce de chape de plomb fantasmatique, en tout cas sur l'avenir, pour un certain nombre d'entre nous. On l'entend dans les cabinets de psychanalyse, dans les récits qui s'y murmurent, qui se tissent là, qui se font, se défont et se refont autrement. On voit bien que là, pour un certain nombre de ces personnes, en tout cas que nous recevons très souvent, qui ont ce mode d'être, ce qu'on a pu appeler une mise en récit autonome vis-à-vis des récits collectifs de notre culture et de notre époque, bah là, il y a vraiment quelque chose, en effet, qui s'est remis à rêver plus librement. Pendant la période de confinement. Oui. C'est ça. Parce que c'est maintenant que ça devient compliqué, là. Oui. Justement, alors, le retour à quoi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est un retour? Ou est-ce qu'à la suite de Jérôme Bachet, nous pourrions dire que ça y est, depuis 2020, là, le 16 mars, c'est bien ça? C'est le 16 mars. 17, oui, c'est pareil. Voilà. Le 17 mars 2020, nous sommes enfin rentrés, on est enfin passé au 21e siècle. D'accord. Carlos. Je crois que ça, c'est important. Oui, oui. En même temps, je crois qu'il ne faut pas être dupe des effets d'annonces un peu sensationnelles et puis des effets de communication. Enfin, quand Emmanuel Macron dit qu'il faudra se réinventer, j'entends une formule, j'entends pour lui une opportunité éventuelle. Enfin, il se dit tout d'un coup que tiens, il a peut-être quand même une chance de repasser à la prochaine présidentielle, mais je ne crois pas une seule seconde au fait que mécaniquement, cette grande expérience, nous ayant tous enseigné plein de choses, on sortirait grandi et du coup forcément réinventant un nouveau monde. Il ne faut jamais minimiser les forces de déni. De toute façon, les catastrophes, par exemple les catastrophes écologiques, mais pas seulement écologiques, enfin, les catastrophes actuelles, sociales dans le monde, on était au courant avant la pandémie. Le calendrier assez vertigineux du réchauffement climatique et de ses conséquences, on était aussi au courant. Et il y a mille manières, à échelle collective comme à échelle individuelle, de se voiler les choses. Disons que si ce n'est pas dans les mois qui viennent, de toute façon, sans doute, il me semble que ce que cette pandémie annonce, même si elle a un rôle, il s'est bien passé quelque chose, notamment avec ces semaines de confinement, et c'est là-dessus qu'on va creuser. Mais ce que cette pandémie nous rappelle, c'est peut-être finalement quelque chose que dans nos pays, on avait oublié, parce qu'il s'est passé un truc un peu étonnant dans nos pays riches, étonnant, je veux dire, à l'échelle de l'histoire de ces derniers siècles. Finalement, il y a deux générations, grosso modo, la génération qui est née immédiatement après-guerre et la génération suivante, la mienne, qui ont pu passer l'essentiel de leur vie ou de leur jeunesse sans que jamais la grande histoire ne se rappelle à elle. Grosso modo, à échelle individuelle, voilà, on a réussi ou raté, on a vécu des tragédies individuelles ou pas, on a eu des vies heureuses ou malheureuses, on a poursuivi nos bonhommes de chemin et nos trajectoires sans que la grande histoire, c'était loin, c'était loin dans le passé ou loin dans l'espace, c'est-à-dire que, ou pas si loin d'ailleurs, mais même la guerre civile en ex-Yougoslavie, c'était loin parce que c'était derrière un écran de télé. Et ça, c'est plutôt une exception. Dans les sociétés passées, la révolution du néolithique, dans les sociétés agricoles, donc depuis quelques millénaires, en général, la grande histoire, elle bouleverse à chaque génération plusieurs fois. Juste pour visualiser un tout petit peu ça, repensons juste à une fille ou un gars qui est né en, disons, 1894. Donc, la fille ou le gars dont les parents avaient connu la guerre de 70, pas très longtemps avant, la Commune de Paris, et qui donc avait 20 ans en juillet 14, et construisaient leurs existences, enfin, étaient en train de faire des études, ou de se marier, ou de rêver de ce que serait l'avenir, etc.
Quelqu'un de cette génération-là a connu donc à 20 ans une Première Guerre mondiale, un bouleversement hallucinant, pas besoin de revenir dessus. À 30 ans, à peine plus, la crise de 1929. Dans les années qui ont suivi, la montée des fascismes, le Front populaire aussi, la guerre civile en Espagne aux portes de la France. C'est peut-être même quelqu'un qui allait se battre pour les brigades internationales. Et 3-4 ans après, à 43 ans, si c'est quelqu'un né en 94, à 43 ans, c'est encore assez jeune, une deuxième guerre mondiale. Ces générations-là ne pouvaient pas se dire que la grande histoire, c'était une chose dont on se fiche un peu, ou que la politique, d'ailleurs, pas très important, finalement, c'est ça, savoir quel est le guignol qu'occupe l'Élysée, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, ils font tous la même chose. Voilà, donc on ne va pas forcément voter, manifester, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, on perd quasiment à chaque fois. Enfin, bon, bref, une espèce de train-train et de ronron dans lequel on s'est installé. Où il ne restait plus, d'ailleurs, ces derniers temps, quasiment comme option politique que de choisir comment consommer. C'est-à-dire, en gros, si on est très responsable, on prend les bananes bio, commerce équitable, enfin, un tout petit peu moins inéquitable que le reste. Et puis, si on s'en fout ou si on n'a pas les moyens, on prend 50 cm à côté les bananes pas bio qui vont faire que les cultivateurs vont attraper le cancer. Et voilà, ce serait ça l'alpha et l'oméga de l'action politique. On en était là il y a encore 2 mois, et ce que malgré tout ça nous rappelle à nous, hein, en tout cas, parce qu'il y a d'autres pays du monde, il y a d'autres régions du monde où ils le savent en fait que l'histoire n'est pas finie, contrairement à ce qu'avait prétendu Francis Fukuyama dans un essai qui valait pas grand chose sur un plan théorique, mais qui a été très à la mode à un moment donné. Bon, ça nous rappelle que non, pas du tout. Et qu'en effet, si on ne se préoccupe pas de politique, la politique va se préoccuper de nous à un moment ou à un autre. Et que l'organisation sociale, elle est porteuse pour nous aussi, à l'échelle individuelle, de choses énormes, potentiellement catastrophiques, ou pas d'ailleurs, peut-être très heureuses, mais en tout cas, qu'on peut pas s'en foutre. Quoi. Voilà. Et pourtant, on a connu d'autres pandémies, on a connu d'autres moments de ce type-là. La grippe espagnole n'a pas changé le monde en son temps. La grippe de Hong Kong, on ne s'en souvient même pas. Il a fallu qu'elle soit rappelée dans un article de manière un peu insistante, avec un compteur de morts assez sensiblement plus effrayant que celui qu'on connaît. Sans que ça ait changé quoi que ce soit. En quoi cette expérience vécue, avec cette exigence particulière face à la maladie et la mort, est-elle différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant? Et en quoi elle nous aurait changé? Moi, je crois qu'en effet, ce qu'on constate avec cet événement-là, c'est que dans les récits collectifs, ça a bougé. En 1914, on pouvait en effet envoyer une génération entière de jeunes hommes se sacrifier pour des valeurs qu'on pourrait dire fondamentales dans le récit de l'époque, patriotisme, gloire, héroïsme, fraternité, nationalisme, enfin, tout ça s'est tombé. Et il y a aussi un décalage, enfin, le curseur du seuil de tolérance de la souffrance sociale a considérablement baissé. En effet, on ne pourrait plus aujourd'hui simplement dire à toute une population, à toute une jeunesse, allez-y, allez mourir pour la gloire. Très, très gêné par le retour. On peut faire quelque chose ou pas? Aller mourir pour la gloire, aller mourir pour la patrie, tout ça, ça n'est plus audible aujourd'hui pour la société que nous sommes devenus. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas se leurrer, ce n'est pas par humanisme que nos gouvernements, un à un, les uns après les autres, se sont vus contraints de se résoudre au confinement. Si en effet, il n'y avait pas pour la plupart, pour l'organisation nécessaire, la préparation. Ah, ça y est. Ah, oh, cool. La préparation nécessaire, les tests
pour pouvoir voilà, éviter cette mesure un peu extrême et un peu dingue qui a été ce premier confinement, enfin, du moins ce confinement. C'est ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en effet, s'ils en sont arrivés là, alors même que ça va à l'encontre de la logique économique de notre société et de l'organisme, du fonctionnement capitaliste, c'est qu'en effet, il n'y avait plus le choix, ils ne pouvaient pas délibérément comme ça poursuivre au mépris des vies qui allaient évidemment se perdre ça aurait été un carnage évidemment, puisqu'on avait un nombre de lits limité dans les hôpitaux. Donc, on était évidemment là devant le fait accompli que devant la virulence de cette zoonose, il fallait en effet se résoudre à boucler, quitte à sacrifier l'économie, cette sacro-sainte économie qui est quand même maintenant le récit, c'est la nouvelle croyance, hein, c'est du récit, c'est que rien ne pourrait passer avant. Et là, nous vivons quelque chose d'assez inédit parce que tout d'un coup, eh ben, si, il y a quelque chose qui est passé avant. Techniquement, tout le monde s'est résolu à pratiquer le confinement. Ce qui laisse entendre une approche, juste pour rebondir, ce qui laisse entendre une approche un peu différente de ce qu'on avait pu connaître avant, où on tendait non pas à privilégier l'économie, mais où on accordait peut-être moins de valeur au fait qu'il puisse y avoir des centaines de milliers de morts. Il y avait peut-être moins d'informations qui tournaient autour de ça aussi. Vous parliez de l'épidémie de Hong Kong, c'est exactement ça. À l'époque, d'abord, on n'avait pas la comptabilité, en effet, qu'on a aujourd'hui, la finesse de la comptabilité des morts. Et puis, de toute façon, on n'en avait pas non plus la conscience. À l'époque, tout le monde fumait partout, tout le temps. Oui, je m'en souviens bien. J'ai cet âge-là. On prenait la voiture, on savait. Enfin, voilà, personne n'avait la ceinture. Il y avait c'est incroyable le nombre de morts par an. Je ne sais plus, mais enfin, c'est, voilà, au niveau des accidents de la route. Enfin, on vivait comme ça. C'était. Oui, tout à fait. Donc, oui, bien sûr, ça n'était qu'une grippette. C'est ça, Carlos. Alors, cela dit, justement, Sandrine a prononcé le mot récit plusieurs fois, et nous, bon, c'est un mot clé dans notre approche de la psyché. Au fond, on n'a rien fait d'autre d'ailleurs que de l'emprunter à l'anthropologie et à l'ethnographie, qui a bien montré depuis des dizaines d'années qu'une société organise sa perception du monde autour de récits. Et la nôtre, tout aussi bien. Ça nous rappelle à quel point, d'ailleurs, derrière le mythe, justement, que nous serions une société rationnelle, il y a en fait une mise en récit du monde, et qui évolue de manière assez étonnante. Parce qu'en effet, il s'est passé là ce que tu disais, Sandrine. Enfin, c'est quelque chose d'assez notable. Je trouve que la manière dont le confinement est arrivé, même, nous montre quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'est la façon dont, en quelques décennies, de façon souterraine, sans que ce soit très visible, ce seuil de tolérance à la souffrance, à un certain type de souffrance d'ailleurs, parce que ce n'est pas la souffrance en général. Au fond, il en va pour la collectivité comme pour l'individu. Ce n'est pas la quantité objective de souffrance qui est problématique, c'est la possibilité de lui donner du sens. C'est-à-dire la possibilité de l'inscrire, cette souffrance, dans la trame narrative qui est celle par laquelle l'individu ou le groupe donne sens à son ou à leur existence et accepte cette difficile condition humaine. Et il y a des souffrances, parce que il y a des souffrances quotidiennement qu'on accepte. On accepte dans nos pays riches, en tout cas, on accepte. Il ne faudrait sans doute pas, mais on accepte que, par exemple, l'ordinateur avec lequel on est en train de parler, les ordinateurs avec lesquels on est en train de parler,
sont fabriqués, enfin un certain nombre des composants de cet ordinateur, déjà les composants premiers, les matières premières, on accepte qu'elles soient extraites dans un certain nombre de pays africains ou d'Amérique du Sud dans des conditions proches de l'esclavage. Et proche, c'est... Bon. Voilà, c'est... on accepte aussi que dans la chaîne de fabrication, les petites mains qui ont assemblé tout ça, voilà, ce soit dans des conditions qui sont, par rapport à nous, hallucinantes. Et c'est une souffrance que, globalement, on accepte. Quand je dis « on accepte », c'est-à-dire que ça ne suscite pas, ça peut susciter une indignation individuelle, mais la Terre ne s'arrête pas de tourner, nos sociétés ne s'arrêtent pas. On considère que c'est une nécessité. Et ce qui est assez notable, c'est qu'au fond, en effet, il y a d'autres époques où une pandémie de ce type, qui n'est pas non plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est grave, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est pas comme la peste noire, ça ne tue pas entre 30 et 50% de la population d'une ville ou d'un pays. Ça aurait pu, hein. On a eu de la chance que ce virus-là, il est plutôt gentil sur l'échelle des virus possibles. Et en plus, ce qui est notable, c'est qu'il tue plutôt des personnes âgées, assez clairement, ou ayant des prédispositions, ayant d'autres pathologies. Donc finalement, tout était là, en apparence, pour qu'on se dise, et certains se le sont dit, bah, ce sont des pertes acceptables. Et d'ailleurs, certains gouvernements ont essayé de considérer, pas simplement Boris Johnson, évidemment, Boris Johnson, Trump ou Bolsonaro, mais enfin, de quelques heures avant le confinement, Blanquer nous annonçait que, évidemment, les écoles n'allaient pas fermer. Les gouvernements actuels n'avaient aucun intérêt à confiner, à mon sens. Enfin, je n'interprète pas du tout comme ça. Et l'espèce de jeu de domino par lequel ils se sont sentis obligés de confiner les uns après les autres, par crainte, et finalement, par crainte de quoi ? C'est ça qui est, je pense, et c'est ça qui est révélateur. Parce que je pense que c'est pas tellement le fait qu'il y ait, en effet, des morts. On sait tous qu'on va mourir, et puis on sait d'ailleurs que la grippe saisonnière, on ne confine pas pour la grippe saisonnière, mais que les chiffres de la grippe saisonnière, ou les chiffres du tabagisme, ou les chiffres d'alcool, ou les chiffres des morts sur la route sont chaque année très grands, les chiffres des suicides, bon, on le sait. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont vraiment craint ? Et je pense que ce qu'ils ont craint, c'est que s'il y avait eu saturation vraiment complète comme il y a eu en Italie, et encore beaucoup plus grande, des systèmes hospitaliers, et que donc des gens qui n'auraient pas dû mourir normalement, entre guillemets, du virus, c'est-à-dire qui, placés sous respirateur, auraient dû avoir une chance raisonnable de s'en sortir, si un certain nombre de gens comme ça étaient morts, et notamment des gens de 40, 50 ans, voire des trentenaires, là, il y aurait eu quelque chose d'inacceptable. Et c'est intéressant de creuser. En tout cas, ils ont fait le pari que ça aurait été inacceptable. Alors, pourquoi ça aurait été inacceptable ? C'est là que c'est intéressant de creuser. C'est qu'en fait, ce qui nous est vendu depuis 10, 15, 20 ans, c'est l'histoire selon laquelle le mouvement général de la société, malgré un appauvrissement, malgré des efforts, etc., continue quand même à aller vers le progrès. Et que les réorganisations, par exemple, du système hospitalier, sont des réorganisations pour qu'ils soient plus efficaces. Ce qu'ils essayent depuis un certain nombre d'années, c'est de faire passer les restrictions budgétaires sous l'étiquette du progrès et de la plus grande efficacité. Et c'est ça qui menaçait d'être mis à mal, qui était déjà mis à mal. C'est-à-dire que tout ça est arrivé sur fond d'une colère sociale qui monte quand même, de manière assez importante, depuis des années, qui s'exprime de plein de manières, par le discrédit total des exécutifs, en général, à peu près 2 ou 3 mois après qu'ils aient investi les lieux. Du coup, l'alternance, la désapprobation, l'abstention, la montée de l'extrême droite, etc. Bon, en France, les gilets jaunes. Et c'est cette poudrière qui leur a fait craindre ce qui se passerait si les systèmes de santé étaient totalement saturés. Et du coup, ils ont préféré confiner. Alors, ce faisant, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis à mal un autre aspect du récit,
C'est-à-dire que le récit qu'on nous fait depuis une quinzaine d'années, c'est que bah, il n'y a pas d'argent magique, c'est que du coup, l'argent, il n'y en a pas et qu'on ne peut pas l'inventer. Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment un récit, parce que quand on s'y connaît un peu en économie, on sait très bien qu'au contraire, d'une certaine manière, même, l'argent même est magique. Non pas qu'on puisse en créer comme on veut, mais la création de l'argent, la création de la monnaie, est toujours un acte quasi magique. C'est un acte de confiance où on décrète. Quand il y a des crédits, c'est un acte de création purement et simplement ex nihilo de monnaie. Alors, cet acte peut avoir des conséquences, mais ces conséquences sont très complexes. Et qu'en effet, on peut, exactement comme on vient de le faire là, débloquer des sommes astronomiques, en Europe, aux États-Unis, qu'on n'avait pas pu débloquer jusque-là. Et on peut les débloquer, en plus, c'est ça qui est remarquable, quasiment d'un jour sur l'autre. Oui. Que les mêmes États qui nous expliquent depuis des années que c'est impossible de débloquer la moindre ligne budgétaire peuvent tout d'un coup débloquer 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus. En 2008, ils l'avaient déjà démontré. Extrêmement facilement. Ils en avaient fait déjà la démonstration, mais là, elle est encore beaucoup plus éloquente. Là, c'est flagrant. En 2008, il s'agissait de sauver les banques. Ça nous concernait moins directement. Alors oui, là, vous voyez qu'il y avait tout d'un coup, il y avait de l'argent. Oui, oui. Ça s'est vu quand même. Ça s'est vu, mais on a pu être moins attentif. On a pu ne pas le voir, mais bon, voilà. C'était plus. Là, c'est flagrant. Là, c'est beaucoup plus flagrant, effectivement. Mais est-ce que le monde d'après ne va pas devoir d'abord gérer ce que certains appellent cette casse humaine, sociale, économique? Est-ce que pour reprendre l'idée du récit, du discours, hein, de manière générale, les vieux réflexes reviennent en force. Enfin, on est bien revenu dans le discours d'avant avec une dette qu'on a contractée, quand on sait qu'on peut les effacer. Enfin, je reviens sur la question magique dont tu parlais. Oui, mais justement, l'argument de la dette. Pour le coup, il est. Alors, on va peut-être pas rentrer dans une discussion économique. Économique pure. Voilà. Enfin, se méfier sur l'argument de la dette, parce que le récit tel qu'il est asséné d'habitude fait la comparaison au fond entre un État et une petite épicerie. Et explique en toute logique que si la petite épicerie elle est très endettée. Il y a bien un moment où, comme il va falloir payer les créanciers, elle ne va pas pouvoir continuer. Donc, ça semble de la logique de bon sens. Enfin, c'est le discours qui nous est servi depuis des années. Vous voyez bien, quand vous avez des dettes, il faut les rembourser. Donc, une dette, ça se rembourse, bien sûr. Le miracle allemand d'après-guerre, d'une certaine manière, quand on a présenté, quand j'étais gamin, le peuple allemand comme un peuple d'épiciers. Oui, mais sauf qu'en fait, dans l'histoire, etc. Dans l'histoire de la dette, d'abord, il y a beaucoup de dettes qui ne se remboursent pas. Il y a même beaucoup de dettes qui sont faites pour ne pas être remboursées. C'est extrêmement complexe, justement. Et qu'au niveau d'un État, étant donné les mécanismes de l'endettement d'un État, les modalités de remboursement sont tellement différentes. Elles s'étalent dans le temps. Enfin, le mécanisme des fonds souverains, de la création monétaire sont tellement différents que l'analogie ne vaut pas du tout. Donc, cela dit, bien sûr que ce qui va se produire dans les années qui viennent, c'est que on va nous présenter la note. Et il va bien y avoir un enjeu, au fond, de qui. Alors, c'est là où il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire que l'enjeu va être donné seulement sous la forme de qui va payer la facture. Et là, il y a déjà une arnaque. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de payer la facture, d'acquitter une dette, et puis de reprendre comme si de rien n'était. C'est bien là la question qu'on a envie de soulever. C'est la question d'un système complètement dysfonctionnel. Et la facture, il y aurait 1000 autres moyens de la payer. Enfin, après tout, si on réorganise radicalement un certain nombre d'activités, déjà, mais c'est ça la question. C'est-à-dire que si on nationalise ou si on collectivise le système bancaire, la question du remboursement ne se pose plus du tout de la même manière.
Je ne dis pas que ça ne crée pas d'autres problèmes, mais précisément, ça n'est pas équivalent. Et que donc, la question de payer la dette, c'est seulement si on ne touche à rien. Toutes choses égales par ailleurs, en quelque sorte. Voilà. On continue comme avant, en quelque sorte. Oui, sauf que ça craque un peu de partout quand même. Il y a des choses qui se voient de plus en plus. C'est ça qui craque dans les récits. Et peut-être que, justement, j'évoquais la notion de seuil de tolérance. Là aussi, aujourd'hui, il y a un seuil de tolérance qui a ses limites. Il y a aussi des sacrifices qui sont de plus en plus compliqués à demander au peuple de la part du gouvernement. Ils sont constamment là en train de tenir deux fils délicats. C'est quand même une poudrière. Alors, justement, changer de cap, penser à un monde d'après, en quelque sorte, prendre en compte à la fois la crise pandémique qu'on traverse, la crise sociale, la crise écologique, la crise économique dans laquelle on entre de plein pied. À quel prix on pourrait changer de cap? Parce que c'est extrêmement. Est-ce que ça peut se faire sans violence? Elle y est est-ce déjà. Qu'on connaît dans, est-ce qu'on connaît dans l'histoire des changements de cap un peu radicaux? Déjà, quel changement de cap? Et est-ce qu'on n'en a connu qui ne soit pas violent? C'est cet espoir-là qui nous fait vivre en quelque sorte dans cette immense période de paix qu'on connaît depuis. 70, 80 ans, ce qu'on n'avait jamais connu dans l'histoire. Oui, alors, immense période de paix, dont je rappelle que... En Europe, il y a beaucoup plus de bombes qui sont tombées depuis 1945 que pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut plus se permettre de faire comme si on était un pays isolé des autres. Aujourd'hui, on le voit, c'est surexposé avec le coronavirus. Bon, on est un monde. Nous sommes désormais un monde. Il arrive quelque chose aux voisins, ça nous arrive aussi. Tout est lié, c'est un mobile de Calder immense. Et là, on ne va plus pouvoir se raconter très longtemps cette histoire-là, justement. Nous ne sommes pas en paix. On ne l'a jamais été. Et la violence, elle est immense à l'échelle mondiale. En effet, les morts se comptent en... beaucoup. Je rappelle que le fondement même de la pensée libérale, et là, au fond de ce qui sous-tend le système capitaliste, c'est l'idée, c'est une idée d'ailleurs à l'origine très audacieuse et très intéressante, hein. Adam Smith, c'est vraiment passionnant. C'est dommage que la plupart des gens qui annonnent nos pseudo-élites ne le relisent pas. Ils s'apercevraient à quel point ils sont décalés par rapport à ce qu'ils proposaient. Mais enfin, Adam Smith, lui, partait d'un pari anthropologique, au fond commun avec celui de Hobbes, sur l'idée que la seule possibilité de faire agir les individus dans l'intérêt du collectif, c'était une contrainte extérieure. L'idée que la nature humaine était fondamentalement individualiste et qu'il fallait une contrainte extérieure pour bâtir une société. Alors là où Hobbes, lui, voyait la contrainte du côté de l'État, un État qui va forcer, enfin, les individus peuvent passer un contrat entre eux, un pacte social, par lequel ils vont instituer une force qui ensuite va les contraindre, avec l'idée que les individus sont doubles, ce qui est très chrétien finalement. Il y a une part bonne et une part mauvaise, il y a le corps et l'âme, il y a une raison, nous sommes capables du coup de nous rendre compte du fait que nous sommes faibles, et étant capables de nous en rendre compte, on peut à la limite décider ensemble qu'on va instituer un État qui ensuite va nous obliger à agir pour le bien. Bon, ça, c'était la version hobbesienne. Adam Smith, lui, propose sur un même postulat une autre contrainte qui est celle du marché, avec l'idée que le marché, si vraiment il fonctionne bien, s'il y a de la libre concurrence et si l'État n'est là que pour s'assurer que la concurrence est libre, le marché va permettre que l'égoïsme de chacun se traduise in fine par la paix universelle et le bien-être de tous. Bon. Sauf que ça fait maintenant 2 siècles qu'on sait que c'est une farce. Ou alors que pour faire tenir la farce, il faut réviser sérieusement ce qu'on appelle le progrès ou le bien-être. Le modèle d'Adam Smith, c'était un modèle qui était pré-industriel et l'arrivée de l'industrie, l'arrivée des monopoles, des multinationales, tout ça quand même, conduit
à des désastres terribles depuis des décennies, à une société d'une violence étourdissante, et qui en plus se fonde malgré tout sur la violence. Ne pas oublier que le paradigme des néolibéraux, c'est le darwinisme, avec l'idée que tous les individus sont par nature en concurrence les uns avec les autres, qu'il y a une guerre pour la survie constante, et que c'est seulement de cette guerre que peut jaillir le progrès collectif. Bon, c'est un paradigme qui a été mille fois critiqué, qui, appliqué aux sciences sociales, est extrêmement naïf, qui même d'ailleurs, appliqué à la biologie, est assez naïf, parce que c'est un darwinisme très caricatural, qui est en général transporté dans le domaine des sciences sociales. Mais surtout, c'est fondé sur une vision de l'être humain qui est archi datée sur un plan scientifique. Ça fait à peu près un siècle et demi que les anthropologues savent que c'est tout à fait faux, que la notion d'acteur rationnel, où chaque individu serait un acteur rationnel ne visant que son seul intérêt, et voilà, que cette vision-là est très naïve, qu'elle est très pré-scientifique. Et en tout cas, le paradigme fondamental de cette société, c'est cette violence où la concurrence ferait qu'on serait en guerre entre les individus. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Enfin, on est quand même dans une société où la manière d'éduquer les enfants, c'est de leur raconter très tôt à l'école qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, qu'il y a certains qui n'auront pas de boulot, que certains même peut-être dormiront sous les ponts, que d'autres seront très riches ou auront des boulots très intéressants, et que la vitesse à laquelle ils vont apprendre à lire ou apprendre à poser des multiplications détermine déjà ce qui va se passer par la suite avec des conséquences de ce type. Donc on les place en guerre dès le départ. Les individus sont en guerre les uns contre les autres, les entreprises sont en guerre les unes contre les autres, les méthodes managériales modernes mettent les individus en concurrence au sein d'une même entreprise. Il y a de la guerre partout, et de la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire que c'est une guerre perverse en plus, il n'y a même pas un ennemi identifiable. Et les nations sont en guerre les unes avec les autres. Bon, ce coronavirus, c'est tout sauf de la peine. C'est un retour du vivant, là, de la violence, justement, exercée sur notre milieu, sur la planète, qui, là, se répercute directement, qui montre qu'en effet, c'est pas parce qu'on avait jusque-là les moyens dans les pays riches, comme le nôtre, de refouler qu'on était en guerre, que pour autant, on ne l'était pas. Bien sûr qu'on l'est. On l'est d'abord, on est en guerre contre notre environnement. Donc, de toute façon, déjà, on est en guerre contre nous-mêmes, on est en guerre contre notre propre espèce. Enfin, c'est complètement, ça marche sur la tête depuis un moment. Cette guerre, elle a quand même des effets dans nos pays riches. Juste un truc, mais puisque l'une des associations, ça me fait très plaisir que l'une des associations qui nous propose cette soirée soit consacrée, soit une association de psychologues du travail, pour le coup, ceux qui travaillent sur cette clinique en connaissent les pertes de cette guerre. C'est-à-dire de cette guerre économique, on connaît les dégâts humains. En dépression, suicide, symptômes de tout type, détresse, c'est terrible. Les méthodes managériales, depuis quelques décennies, elles ont fait un nombre de morts considérable, y compris de morts indirectes, parce que si on était moins pressuré et moins déprimé, on s'alimenterait aussi mieux. Enfin, voilà, quel est le coût de tout ça? Il est vertigineux, bien plus que le Covid, hein. Oui, alors justement, et pour rester sur le lien avec le monde d'après, j'ai beaucoup d'interventions de questions qui nous interrogent, notamment sur la question du haut potentiel intellectuel. Alors déjà sur la question des enfants, et notamment des enfants au potentiel qui vont payer un lourd tribut quant à l'avenir, hein, et à cette situation assez violente et assez difficile dans laquelle on est, des questions de type à quoi va-t-on accorder de la valeur collectivement maintenant? Est-ce qu'on doit accompagner les HP autrement que les autres, sachant que nous avons tous une identité profonde qui nous est propre, qui génère nos habitudes, nos attitudes et nos rôles sociaux. Les HP vont pouvoir jouer un rôle dans cette réflexion à mener sur l'après, à travers le regard différent.
Et notamment, enfin, ce qui me semble résumer un petit peu tout ça, pour les hauts potentiels et pris de sens, de style, d'équité, comment nourrir ces valeurs dans le monde d'après. Alors, c'est l'être humain qui est épris de sens. Oui. En général, un être humain ne peut pas se passer du sens. Ça n'existe pas, ça. C'est là, d'ailleurs, que la pyramide de Maslow en prend un sacré coup. C'est quand on se rend compte que, justement, dans les centres de concentration, qui meurt en premier, justement, ceux qui n'arrivent plus du tout à se raccrocher à un récit, que ce soit celui de Dieu, hein, ou la politique, ou... n'importe quoi, en fait, qui puisse raccrocher à quelque chose d'un peu plus grand que soi et qui puisse quand même mettre en contact avec des valeurs qui dépassent et qui permettent de survivre, en fait. Là, ceux qui s'éteignent et qui s'écroulent dans des cas comme ça terribles, eh ben, c'est ceux qui n'arrivent plus à trouver le sens. Donc, je pense que ça, déjà, je voulais simplement rétablir ça. Je pense que c'est très important de voir que au centre et en premier, ce dont nous avons tous besoin pour pouvoir survivre et même vivre, c'est le sens. Après, bien sûr, il y a des façons de mettre en travail le sens qui est tout à fait soit de type, je dirais, autonome, dans le cas de ce qu'on appelle les HP. En effet, ils vont avoir besoin d'être très actifs dans le tri qu'ils vont faire vis-à-vis de ce qu'ils vont prendre ou pas, interroger ou remettre en question dans les récits, les croyances qui sont proposées. Tandis que quelqu'un de plus typiquisé, de plus aliéné, en fait, au fond, va peut-être préférer une plus grande hétéronomie, une plus grande passivité et va préférer s'appuyer sur des croyances rassurantes qui ne sont pas remises en question. Et, mais finalement, il en a autant. Mais c'est une autre façon de trouver du sens, d'arriver. Tant que ça marche, tant que ça tient, bon. Mais je crois que la ligne de fracture dont on parle, en tout cas nous, pendant 500 pages dans notre bouquin, ce n'est pas tant d'une ligne de fracture qui existerait au sein même de la population, même si bien sûr qu'il faut... Il y a un moment où il faut bien pouvoir en parler aussi. Donc, je suis d'accord qu'il faut s'interroger aussi sur le haut potentiel et les gens que ça concerne en premier lieu. Mais, et sur comment les accompagner, j'y viens. Mais je crois que quand même cette ligne qui départage ces deux modes de mise en récit, elle a lieu au cœur même, au sein même des individus. C'est-à-dire que ça dépend sur quoi on est plus ou moins libre. Ça a des conséquences... En effet, intellectuel aussi, émotionnel, ce qu'on pourrait appeler une finesse de la perception, une sensibilité particulière. Mais finalement, les conséquences sont pas toujours les mêmes aux mêmes endroits. Alors, bon, accompagner un enfant ou un adulte, d'ailleurs. À haut potentiel, entre guillemets, comme on dit dans notre société en ce moment. Est-ce que c'est différent, d'ailleurs, en tant que psy, est-ce qu'on les accompagne différemment? Moi, je crois que je ne peux pas accompagner quelqu'un autrement qu'en essayant de toute façon, où qu'il soit, d'où qu'il soit, juste d'essayer de l'aider à lui-même s'aider à lever ce qu'il endigue, en fait, tout ce qui l'empêche. Après, ça libère ce que ça peut. Si c'est libéré, ils n'ont même pas besoin d'être accompagnés pour agir là où ils le peuvent, là où ils se trouvent, à partir d'une pensée qui justement bouillonne et qui crée constamment, qui interroge et qui, du coup, en effet, fait des liens et propose des choses, des actions. Il y en a qui n'ont pas attendu, d'ailleurs, le déconfinement pour agir. Hein. Il y a eu des initiatives collectives. Je crois que là aussi, il faut insister sur cette notion d'intelligence collective. Ça existe. C'est aussi quelque chose qui est fonction de ce qui peut se passer dans des moments de crise, justement. Parce que je crois que, en effet, quand on a ce mode, cette façon d'habiter le monde, il y a plus de chances, en effet, qu'on soit actif et créateur. C'est-à-dire, finalement, moins angoissé et mieux préparé à tirer profit d'une crise. Alors, cela dit, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sandrine vient de dire,
Mais il y a bien, et ça nous traverse tous, hein, en effet, ce n'est pas simplement deux catégories de la population, mais il y a bien un enjeu là assez crucial. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas minimiser les forces de déni. Si on parle par exemple des enfants, et je trouve que la question est très intéressante, finalement, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'il y a une fragilisation du récit collectif, il y a un truc qu'on n'avait pas prévu, et puis on arrivait à refouler les catastrophes écologiques, on arrivait à les refouler en disant « c'est loin dans le temps, c'est pas tout à fait sûr, et puis peut-être qu'on inventera, et en plus peut-être qu'on inventera d'ici là des technologies qui feront que ce ne sera pas si grave, après tout, au rythme où la recherche avance, qui sait ?» Bon. Donc, on arrivait, grosso modo, ici en tout cas dans nos pays, la majorité des gens, à pas trop, disons, à dormir la nuit sans trop s'en préoccuper. Bon. Et puis tout d'un coup, il y a ce truc que personne n'attendait, cette pandémie, ce confinement, et il y a quelque chose qui vacille partout. C'est pas, voilà, le récit collectif vacille. Se mettent en place immédiatement des forces de déni très grandes. Prenons ce qui s'est passé dans l'éducation nationale. Quand même assez génial, génial ou désespérant. Mais quelle est la proposition que l'institution a faite aux profs et qu'une bonne partie des profs ont fait aux élèves, aux gamins? La proposition, ça a été de faire comme si de rien n'était. Bon, on est dans une parenthèse un peu rigolote, après tout. On est chez nous, c'est marrant, ça va durer quelques semaines. Et puis après, ça recommencera. Et puis comme après, ça va recommencer exactement comme avant, et ben, ces quelques semaines, on va faire tout comme si c'était une salle de classe. Donc, on va surtout continuer le programme parce que, hein, faut quand même, les élèves de 4e, il faut qu'ils passent en 3e, les élèves de 3e, il faut qu'ils passent en 2e, etc. Il ne faut surtout pas qu'ils aient de la clé, donc il faut bien finir le programme. Donc, on va faire classe, on va faire le contrôle qui était prévu, simplement, on le fera voilà, à distance. Et d'ailleurs, certains établissements scolaires, certaines équipes pédagogiques se sont même organisées pour que ce soit les mêmes emplois du temps. Le mardi à 9h30, il y avait maths, et bien le mardi à 9h30, il y aura maths, mais devant l'ordi, et on va faire tout comme s'il ne se passait rien. C'est génial. Enfin, je trouve, petite parenthèse, mais je trouve très poétique le fait que l'une des voies qui a été les plus déstabilisatrices pour cette société ces dernières années, c'est la voix d'une gamine, en plus d'une gamine Asperger, qui, justement, ça montre bien d'ailleurs, HP. Enfin, c'est pas comme si elle avait fait un truc qui, logiquement, était tellement difficile qu'en effet, il faudrait surtout avoir un super QI pour faire la déduction. En fait, elle a juste dit, mais si c'est si grave ce qui est en train de se passer, enfin, si vraiment dans quelques décennies, New York est sous les eaux, l'Inde et la Chine sont inhabitables, ça va être le chaos, etc. Pourquoi vous m'envoyez à l'école comme si de rien n'était? Si c'est si grave, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Donc juste, elle n'est pas allée à l'école. L'opération logique là, qu'elle a faite, la déduction, je ne la trouve pas fracassante. Mais en fait, elle a osé la faire. Et elle a osé en plus, comble de tout, ne pas aller à l'école. C'est parce que dire, oh, c'est très grave, il faudrait arrêter d'aller à l'école. Tout le monde est capable. Ça me rappelle ce qui me sidérait quand j'ai commencé à être prof, ou en salle de classe, en salle des profs. En général, il y a toujours un moment où tous les collègues disaient « ça ne sert à rien, mais vraiment, c'est absurde, les élèves n'écoutent pas, et puis les programmes sont absurdes. » Et d'ailleurs, certains disaient « de toute façon, on ne fait qu'enregistrer, au fond, les inégalités sociales, c'est terrible, bon, etc. » Et puis tout d'un coup, ça sonne. Et donc, au moment où ça sonne, « ouais, bon, bah, faut y aller. » Et puis tout le monde se lève et va faire cours comme si de rien n'était. Enfin, et moi, je restais comme un con en me disant « mais… » Mais puis, si on dit que c'était absurde, normalement, là, on arrête tout ou on en invente autre chose. Enfin, on va… Non. Bon. Finalement, ce qu'elle a fait, Greta Thunberg, c'est juste qu'en plus de dire « il faudrait arrêter d'aller à l'école parce que vraiment, c'est très grave », non, juste, elle n'y est pas allée. Et tout d'un coup, boum, ça sidère tout le monde et on l'invite à l'ONU et on l'invite à Davos. Ça a dû être un moment de poésie pure, Davos. Elle parlant à tous les grands patrons et tous les grands décideurs. Bon, bref. Mais… il y a les forces de déni, elles sont très actives et elles sont en chacun de nous. Parce que bien sûr que moi aussi, ça m'effraie. C'est-à-dire qu'un monde qui bascule, il y a une part de moi qui dit « Oh, chouette, on va sortir de ces décennies mortifères dans lesquelles j'ai passé ma jeunesse. Il va enfin se passer quelque chose. » Et puis, il y a une part de moi qui est terrifiée. Ça peut être aussi très grave. Et il y a une part de moi qui aimerait bien se dire que
Dans 3 mois, je reprends exactement comme si de rien n'était. Et puis, tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, tiens, les vacances qu'on avait prévues l'hiver prochain, on va pouvoir les passer. Et puis, oui, c'est... Donc, ça nous traverse, cette tentation de faire comme si de rien n'était. Et en même temps, sans doute, certains d'entre nous, déjà avant la pandémie, mais a fortiori depuis, n'arrivent pas tout à fait à ça. C'est-à-dire que, voilà, ils n'arrivent pas à y croire, à cette petite musique lénifiante. La voix qui en eux dit c'est quand même absurde tout ça. Alors tout ça, c'est le fonctionnement général d'une société. Cette voix-là, elle était déjà très audible avant la pandémie, elle les obsédait, elle les hantait, comme elle m'a toujours hanté, et elle hante d'autant plus. Et alors paradoxalement, finalement, c'est qui tout double. Ça peut soit être très angoissant. C'est-à-dire que si la seule réponse, et là j'imagine que c'est des parents qui ont posé la question, qu'est-ce que je fais avec mes gamins ? Si la seule réponse c'est non, non, mais n'écoute pas. C'est pas si grave, de toute façon. Puis, il n'y a pas tant de morts que ça. Et puis, d'ailleurs, ça y est, on est déjà déconfiné. Bon, il y aura peut-être une deuxième vague, mais bon, ça va reprendre. Allez, voilà. T'as révisé ton contrôle de maths pour demain ? Si la seule réponse, c'est ça, effectivement, c'est surangoissant. Mais si on prend un peu de recul, si on se dit, c'est l'occasion. Bon, j'aurais rêvé, moi, d'une éducation nationale, qui, de toute façon, je rêverais d'une éducation nationale qui fonctionne tellement différemment, qui commencerait par faire de l'anthropologie. C'est-à-dire où la base, ce serait de dire aux gamins, non pas... Voilà comment il faut vivre, voilà comment il faut penser, parce que nous sommes la bonne société, nous avons tellement progressé, nous sommes la civilisation, etc. Voilà les connaissances qu'il faut, mais qui commencerait par l'anthropologie, par s'interroger sur la condition humaine, qu'est-ce que c'est que d'appartenir à cette drôle d'espèce, qui sait qu'elle va mourir, qui sait qu'elle est infiniment seule. Et on a inventé des modes de vie. À certains moments, on a inventé ça. Maintenant, on a inventé ça. Voilà les règles auxquelles, pour l'instant, on croit. Elles sont fragiles, elles sont contradictoires, mais en tout cas, c'est pour l'instant ce qu'on a trouvé de mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et voilà d'où elles viennent, et à peu près. Et là, ça pourrait être. On aurait pu imaginer que. Mais c'est sans doute ça qu'on a à faire, en tout cas individuellement. C'est-à-dire à des gamins qui soulèvent des questions là maintenant et qui sont angoissés. Saisissons-nous de ça. Nous sommes l'espèce qui invente, qui a inventé des choses magnifiques, des choses atroces aussi, mais aussi des choses magnifiques. Et que rien que comprendre, essayer de comprendre le monde, comprendre d'où on vient, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie, qu'est-ce que c'est, comment elle fonctionne, notre société, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça révèle de son fonctionnement économique, de son fonctionnement social, qu'est-ce que ça révèle de nous en tant qu'être humain. Finalement, analysons même nos sentiments, nos ambivalences, le fonctionnement de nos émotions. Tiens, qu'est-ce que c'est cette expérience même d'être confiné, qu'est-ce qu'on a à y apprendre. Je trouve, moi, plutôt rassurant pour un gamin, et même finalement assez excitant, de leur dire, et en plus, je pense que c'est pas une fable, moi, ce que j'ai envie de dire aux gamins d'aujourd'hui, c'est de leur dire, sans doute, le monde, il va falloir le réinventer. C'est pas de Macron qu'on peut l'attendre. C'est vous qui allez le réinventer, que ce sera sans doute tumultueux, j'espère le moins violent possible, mais on est déjà dans un état de violence extrêmement grand. Donc, en effet, j'espère le moins violent possible, mais il y aura sans doute des rapports de force. Et qu'il va falloir réfléchir. Il ne s'agit pas simplement de lutter pour, il faut aussi savoir pourquoi on lutte. Et qu'il va falloir se lancer dans cette tâche passionnante qui est de comprendre un monde pour l'inventer. Ou le réinventer. Alors, deux ou trois petites choses. Moi, je trouve extrêmement intéressant ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, de Greta Thunberg. Bon, on en pense ce qu'on veut, hein, je veux dire, la question n'est pas là. Mais qu'une jeune personne à ce point-là neuroatypique puisse avoir un tel impact, ça me semble quand même assez significatif. Bien sûr. Significatif, et notamment. De la nécessité de trouver, peut-être d'accompagner les neuroatypiques qui nous entourent, hein, qu'on les appelle surdoués, j'ai bien mis les guillemets, hein, qu'on les appelle surdoués ou qu'on ait un syndrome d'Asperger ou qu'on ait différentes autres choses, dans la manière différente de s'emparer du discours, me semble-t-il. Je pense que ça pourrait donner des choses intéressantes si on arrivait à en faire un mouvement collectif, enfin, si on arrivait à en générer un collectif, en quelque sorte. Vous avez constaté dans votre pratique, pendant le confinement,
peut-être des jeunes gens que vous recevez, si vous avez une patientèle qui peut être plutôt jeune, des tendances qui pouvaient se dégager chez vos jeunes patients. C'était déjà le cas, de toute façon, avant. C'était le cas avant. Est-ce que il y a quelque chose qui bouge ? Il y a une évolution ? Oui, évidemment. Mais il y a une évolution. Oui, ça précipite. Oui, ça précipite. Après, on n'a rien dit. Enfin, là, on parle de ceux qui sont suffisamment épanouis pour être acteurs, hein, pour pouvoir agir. Excuse-moi, ils l'ont plutôt vécu bien, mal, le confinement, ou bien ou mal, comme tout le monde Eh ben, pas comme tout le monde, en tout cas. D'accord. Je ne pense pas. Je pense pas, parce que… alors, ça aussi, c'est une question, parce que… Okay. C'est une sacrée question. J'adore les questions emmerdantes. Hein. Je pense que ce temps suspendu, comme ça, où tout d'un coup les États ont confisqué une liberté qui d'ordinaire est notre quotidien et qui tout d'un coup nous déresponsabilise, ça a aussi quelque chose de… ça a pu soulager. Vous voyez, ça, il y a quelque chose d'un peu infantilisant ou presque, en tout cas, ouf, ça y est, de toute façon on n'a plus à supporter le choix de chacun, enfin le poids de chacun de nos choix d'adultes. De toute façon, il faut rester chez soi, et puis voilà, et puis tout est suspendu et tout est pris en charge symboliquement et matériellement par l'État momentanément. Donc ça, je crois que de toute façon, qu'on soit neurotypique ou atypique, y a peut-être quelque chose là qui soulage un peu tout le monde. Après, bien sûr que ça vient se heurter, ça s'articule avec comment on a investi le rapport à l'autorité, le rapport à l'État, au gouvernant. Est-ce qu'on est dans un rapport où on a l'impression que là, il y a… c'est vrai que c'est fascinant, tous les discours qui se créent autour des enjeux qui ne sont peut-être pas forcément apparents. On sent bien qu'il y a quelque chose de… Évidemment, tout le monde le perçoit, qu'il y a un décalage entre les récits officiels qui se donnent comme ça et puis derrière… les enjeux, puis les contradictions qui ont pu s'exprimer. Donc, tout le monde est en train de chercher, et finalement, avec une liberté plus ou moins grande, mais ça donne lieu à des méfiances, voire des récits complotistes, parfois, qui sont aussi en train de chercher où est le juste là-dedans, mais il y a au moins une chose sur laquelle on ne se trompe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le discours officiel. Et donc, je dirais que finalement, on observe que il y a en effet, pour quelqu'un qui en plus a un rapport actif au récit, qui a besoin de tout le temps interroger les choses et de chercher, et un moment comme celui-là, c'est un moment où en effet, il y a tout d'un coup un flou plutôt inédit sur l'avenir, qui fait que il y a à nouveau une espèce d'infinité des possibles qui s'est fantasmatiquement, en tout cas, ouvert, momentanément, peut-être pas, on ne sait pas. C'est sûr que là, il y a un retour aussi à l'inertie, et c'est sûr, comme disait Carlos tout à l'heure, que ça va se reverrouiller plus que jamais du côté des dénis et du côté des tentatives d'imposer des choses au niveau des sacrifices pour compenser justement toutes ces aides momentanées, mais en tout cas, c'est vrai que ça met tout d'un coup un espoir pour des gens qui vont déjà bien, hein, parce que quand on mais est… Mais ça dit, je crois que la question portait sur les enfants. Hein. Et qu'on va mal, mais non, mais c'est pas forcément les enfants. Enfin, j'ai pas compris. Oui, toi tu parles des adultes, mais je crois que la question portait sur les enfants à l'origine. Ah bon. Jusqu'à quel âge des enfants, en tout cas des jeunes gens, qui peuvent être… j'ai tendance à penser, mais j'ai peut-être tort, ça c'est tout à fait personnel, hein. J'ai tendance à penser, mais j'ai peut-être tort, que je ne vais pas dire au-delà d'un certain âge, mais qu'il y a des moments de la vie où les ouvertures vont pouvoir être plus…
plus importante et la possibilité de penser les choses autrement va être plus possible qu'à d'autres moments de la vie. Voilà. Oui, mais en même temps, bien sûr, mais en même temps… Juste pour terminer, juste pour expliquer mon propos, j'ai pris de plein fouet le premier choc pétrolier. Je vous parle de chat, mes pauvres. C'était en 73. Hein, je me souviens extrêmement précisément de ce moment-là. J'étais déjà un peu passionné d'actualité. J'écoutais et je chopais par tous les bouts possibles énormément de discours, énormément d'informations. Et il y a un type, un binoclard de l'époque, hein, qui, c'est pas, non pas que mes lunettes soient une insulte pour moi, mais c'était les montures de l'époque. Enfin bref. Et il y a un monsieur à qui on a demandé comment on allait sortir de cette situation-là. Et il avait répondu qu'il n'en savait rien, qu'on entrait dans un monde qui était différent de ce qu'il était avant, qui était nouveau, en quelque sorte, et que les solutions pour sortir de cette situation, ceux qui étaient nés, avaient grandi, avaient fait des études, etc., dans le monde d'avant, n'auraient pas les solutions, et qu'il fallait attendre, faire ce qu'on pouvait jusqu'à ce que la génération suivante qui est née dans cette situation, qui a grandi dans cette situation, propose des solutions. C'est eux probablement, c'est la génération suivante probablement qui aurait des solutions pour sortir de ça. Alors, ça n'a pas été forcément le cas. Néanmoins, chaque fois qu'on se trouve dans des situations où on parle de charnière, en quelque sorte, j'aurais plus envie de faire confiance aux jeunes gens, au bout du compte, et notamment aux jeunes gens qui pensent un peu différemment, plutôt que de ceux qui sont bien dans le moule. Et je m'interroge de la place où on est, c'est-à-dire de la place de thérapeute, comme on peut s'y trouver, de la place de parents, tout simplement, de jeunes gens qui vont avoir à vivre dans ce monde-là. Comment on peut les accompagner pour qu'ils fassent évoluer les choses d'une manière qui leur convient et qu'ils y trouvent leur place en quelque sorte, qu'ils osent s'engager, hein, puisqu'on parle juste d'avant. Vraiment, je voudrais répondre sur cette question là, des enfants. on savait que ça allait arriver à un moment. Oula. Bon, s'agissant des enfants. Il y a un truc que je voulais vraiment dire, bon, après, c'est que je pense que, comme d'habitude, la chose à pas faire, c'est de les rassurer. Vraiment. C'est, au fond, parce que c'est beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire de les rassurer, en tout cas, par des discours de déni. C'est exactement comme le truc le plus paniquant, finalement, pour un gamin qui a 5-6 ans, commence à se poser des questions sur la mort. Et commence à se poser des questions sur l'éventuel sens de tout ça. Le plus paniquant, c'est quand le parent lui dit « Mais non, mais pense pas à ça, c'est pas très important, c'est pas grave, t'en fais pas, va. » Comment ça pourrait ne pas être grave ? Enfin, on va mourir, comment ça pourrait ne pas être grave ? Et en fait, c'est beaucoup plus paniquant, des discours comme ça. Le parent qui, au contraire, commence à dire « Bah oui, bien sûr, c'est infiniment grave. » Mais paradoxalement, ça a beau être infiniment grave, ça ne nous laisse pas impuissants. Au contraire, on peut inventer d'une certaine manière. Et même tout ce que la vie peut avoir de beau, c'est en l'inventant à partir de cette gravité infinie du fait qu'on va mourir. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gamins ou ados qui ont un peu leurs antennes déployées, ça ne les rassurera pas qu'on leur dise « Non, mais ce n'est pas grave, on va trouver des solutions ». Puis c'est pas si grave, d'ailleurs, voilà, on est déjà en train de déconfiner et il n'y aura peut-être pas des conséquences si catastrophiques, voilà, tout va aller bien. Non, on n'en sait rien. Peut-être que les conséquences ne seront pas si dévastatrices que ça et que finalement, tout va aller bien pendant quelques années jusqu'à la prochaine catastrophe. Bon, peut-être. Et peut-être finalement que la prochaine catastrophe, elle n'est même pas dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, elle est dans 50 ans si on a énormément de chance. Peut-être, oui, il y a une probabilité sans doute non négligeable de ça. Quand je dis non négligeable, je ne sais pas,
pas chiffrable, mais peut-être. Mais enfin, comme il y a une probabilité non négligeable, pour le coup, vraiment, de l'inverse, c'est-à-dire non seulement qu'on se reprenne des catastrophes, mais surtout que celle-ci a des conséquences très importantes, de toute façon, il faut le prendre en compte. Et plus on les rend, plus on les invite à être actifs, plus on leur dit que, plus on les ouvre d'ailleurs à une lecture de l'histoire dans laquelle ils s'apercevront que, en fait, les êtres humains n'ont cessé de réinventer des nouveaux modes de vie. Donc, c'est pas la première fois que l'espèce se retrouve face à ça. Et que s'il y a bien une chose qu'on sait faire, nous les humains, c'est inventer. Et plus on leur explique que ça va être dans leurs mains, paradoxalement, plus c'est rassurant. Oui, je voulais justement rajouter juste tout à l'heure. D'abord, personnellement, par ailleurs, je ne suis pas du tout persuadée, moi, que ça soit la jeunesse, parce que jeunesse, qui détienne les moyens d'action, forcément, par ailleurs. Bien sûr que la jeunesse, elle agit si elle peut, si les circonstances le permettent. Mais bon, il y a aussi, justement, tous les gens qui sont à des places stratégiques, pas forcément, enfin, tous les gens qui peuvent, soit parce qu'ils souffrent tout simplement, hein, beaucoup trop, et que c'est plus, voilà, eux, ils ont explosé leur seuil de tolérance, donc c'est fini, ils ne peuvent plus encaisser, et ils commencent à agir, ils mènent des actions très concrètes et collectives, et il se passe des choses parfois, d'ailleurs, en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, qui sont absolument extraordinaires. On a pu, d'ailleurs, avec les Gilets jaunes, il s'est passé aussi des choses extraordinaires pendant des mois, autour des ronds-points, tout d'un coup, des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de parler se sont mis à échanger. Ils n'avaient pas forcément 16 ans. Je veux dire, il se passe plein de choses aussi dans les têtes. Bon, par ailleurs, je pense que pour répondre à la question qui concerne en effet l'accompagnement, qu'on soit parent ou qu'on soit psy quelque chose, je pense que c'est... Ou doc quelque chose aussi, d'ailleurs. Voilà, hein, oui. Je pense qu'on est fatalement... la qualité de cet accompagnement, le facteur de libération de cet accompagnement est complètement en fonction de notre propre... capacité profonde et individuelle à assumer et à embrasser notre rupture vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des discours, vis-à-vis de toute une société, vis-à-vis de plein de choses. Donc, cette capacité aussi, adulte, à être restée aussi en contact avec nos colères, avec éventuellement aussi cette espèce de sentiment de justice ou d'exigence en tout cas de certaines valeurs. En effet, alors on peut pathologiser la chose et dire qu'il s'agit d'hypersensibilité ou d'hyper-investissement des valeurs de ce genre-là, hein, typiques soi-disant des enfants et des adultes HP. Ou alors on peut au contraire se dire ben non, en fait, c'est justement ça qui va permettre de prendre appui pour permettre à l'autre de décoller vis-à-vis justement de ce qui se donne pour norme et qui est justement complètement pathologique en réalité. Alors ça pourrait peut-être répondre à une question qui se pose hein, de manière un petit peu récurrente. Dans cette situation de déconfinement, avec des écoles qui rouvrent partiellement, plus ou moins, etc., il vaut peut-être mieux, quand on peut, en tout cas, garder les enfants à la maison plutôt que de les renvoyer à l'école. Juste pour faire le lien avec ce dont on parlait, ce que j'entendais tout à l'heure, de ne pas leur raconter d'histoire, mais pas les faire vivre dans la peur non plus. Entrer dans une école aujourd'hui, c'est devenu, de ce que j'entends en tout cas, hein, j'ai plus d'enfants en âge scolaire, apparemment assez effrayant, avec des règles, des normes, des distances, enfin... C'est complètement dingue. Ouais, ça a l'air compliqué, quoi. C'est très, très complexe. Certaines écoles, d'ailleurs, ne peuvent pas, n'ont pas les conditions nécessaires. Et puis, oui, comme disait Carlos, si c'est pour boucler le programme,
c'est presque, enfin, c'est vraiment angoissant en fait. Parce que, là, les enfants, ils sont plein de questions, et puis en plus ceux-là en particulier. Enfin, en effet, on peut, si on en a. Bien sûr, là, vous allez peut-être mettre le doigt dessus aussi, c'est que on peut si on peut. En effet, transmettre certaines choses. Oui, on peut parler d'anthropologie, on peut parler de philo à des gamins de 6-7 ans. Hein. On peut découvrir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un zoonose et puis en quoi ça a un lien avec, direct en fait, avec le capitalisme, donc la déférestation. Et donc, et bien, qu'est-ce que c'est que le capitalisme du coup? Puis qu'est-ce que c'est que l'histoire? Et est-ce qu'il y a un progrès dans l'histoire? Vous voyez, enfin, tout est lié, tout est passionnant. Et ces enfants-là, ils demandent que ça. Alors, on ne va pas leur apprendre à faire des divisions, enfin si, mais si c'est pris par dans du sens, en fait, on en revient toujours là. Donc, oui, bien sûr, si c'est possible. C'est on les garde là. Plutôt à la maison. Évidemment. De toute façon, c'était déjà vrai avant. Alors, oui. Alors justement, je rebondis sur un truc que dit Sandrine, parce que souvent, enfin, disons, les adultes avec lesquels je travaille, qui sont parents, souvent, le principal obstacle, c'est le fait de pouvoir s'autoriser eux-mêmes à parler justement à leur enfant d'anthropologie alors qu'ils ne sont pas anthropologues. Ils ont l'impression que... Parce qu'on est quand même dans une société où on nous a, finalement, comme dans la plupart des sociétés, hein, mais on nous a quand même beaucoup asséné le fait que pour parler de quelque chose, il fallait être expert. Ce qui est amusant, c'est que dès qu'on regarde un peu plus près, les experts entre eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, ça devrait quand même mettre la puce à l'oreille. Mais bon, voilà, il faudrait... on ne pourrait s'emparer d'histoire, s'emparer d'anthropologie, s'emparer d'économie, s'emparer de tout ça, qu'en étant un expert qualifié. Et donc, il y a beaucoup de parents qui ont l'impression qu'ils ne pourront jamais s'aventurer. Ils n'ont pas les connaissances pour. Bon. Et en fait, c'est ne pas voir que le gamin, il n'a pas besoin de réponses toutes faites, surtout un gamin HP. Il a besoin de questions pertinentes. Mmh. Et qu'en fait, il n'a pas besoin qu'on lui dise « L'anthropologie nous montre bien que… » D'ailleurs, l'anthropologie ne nous montre rien du tout. Ne pas être dupe, d'ailleurs, que ce qu'on est en train de dire là depuis tout à l'heure, je ne sais pas, moi, quelle est la part dans ce que je dis ce qui ressort vraiment de toutes les lectures que j'ai faites en anthropologie, en économie, en histoire, machin, etc. Et quelle est la part du fait que j'ai grandi dans un milieu 68-art et que du coup, avec un certain type de valeur, et que du coup, j'ai toujours été super à gauche et avec l'envie que le monde change. Et peut-être que toutes ces lectures ne font rien d'autre qu'étayer le récit que j'avais besoin de me raconter depuis toujours. Sans doute aussi, d'ailleurs. Voilà, je n'ai pas le fin mot. Et je sais très bien, d'ailleurs, que dans les choses auxquelles je crois, il y a plein de contradictions, de paradoxes. Qu'une fois qu'on se définit une identité politique, en fait, c'est le début de la panade. C'est à la fois nécessaire, mais c'est comme quand on dit ouais, je suis psychanalyste, mais qu'est-ce que ça peut bien être que la psychanalyse? En fait, une fois qu'on l'a dit, c'est le début des ennuis. De la même façon, j'ai des opinions politiques, mais c'est sûrement pas un dogme clos et figé. Et donc, d'où qu'on soit, même un anthropologue au Collège de France, en fait, il, d'abord, si le gars est vraiment bon, il sait d'abord à quel point il ne sait pas grand-chose sur l'être humain. Et à quel point, bon, bah, il pose des questions un peu moins peut-être que les autres. Parler de tout ça avec les gamins, ce n'est pas leur faire un exposé pour lequel il faudrait effectivement être agrégé d'histoire ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un cours magistral. Avec ces gamins-là, questionnons-nous ensemble. Et d'ailleurs, le premier laboratoire, c'est nous-mêmes. C'est nous, comment on fonctionne, comment on réagit. Tiens, qu'est-ce qui nous angoisse là-dedans? Qu'est-ce qui nous motive? À quel moment on devient violent les uns avec les autres? À quel moment, au contraire, commencer à analyser nous-mêmes, oser réfléchir. Oui, mais ça veut dire aussi oser s'autoriser à ne pas savoir devant son enfant, à ne pas savoir et s'interroger ensemble avec un désir partagé d'explorer une question. Mais ça veut dire en avoir envie, ça ne se commande pas. Soit on en a l'envie, soit on ne l'a pas. Il y a des moments où on n'a pas envie d'ailleurs, et puis il y a des moments où ça ne marche pas, puis il y a des moments où c'est pas le moment pour l'enfant. Puis voilà, mais vous disiez tout à l'heure,
on leur raconte pas d'histoire. Si, je crois qu'on leur raconte des histoires. Mais justement, comme elles ne tiennent pas complètement toujours debout, ça laisse bien des questions en suspens qui ne manquent pas, surtout ces enfants-là, de taper exactement au point de fragilité. Et c'est ce qui relance constamment la nécessité d'affiner et d'explorer plus avant ensemble. C'est cette espèce de façon d'apprendre active dont ils ont tant besoin. Donc, bien sûr, c'est tellement rare de le trouver au sein de l'éducation nationale telle que c'est fait, que oui, bien sûr que plein de fois, ils ont à la maison, ils l'ont à la maison en fait, mais cet espace récréatif où on est comme dans un laboratoire. Et puis, parfois, ça arrive qu'il y ait un enseignant ou une enseignante qui est ça, qui apporte ça, et qui, dans sa classe, a décidé que ça se passerait comme ça. Et tant pis pour le programme, et on va faire un truc vraiment vivant. Et quand ça arrive, c'est une chance fabuleuse. Alors là, il faut y courir, tant pis si on excède dans la classe. Si la prof, elle est comme ça, c'est génial. Mais voilà, quoi, c'est tellement rare qu'en effet, ça, c'est plutôt, en général, c'est plutôt dans la famille que ça se passe, ou ailleurs que ça se passe, alors, malheureusement. J'entends bien ça, et ce que l'école généralement ne pourra pas apporter, puisque ce n'est pas son rôle, tout simplement, aujourd'hui en tout cas, sous réserve que les parents en aient la possibilité et sous réserve qu'ils en aient l'envie, donc ça fait pas énormément de monde, sous réserve que l'enfant ait le désir de ce questionnement-là, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus riche à la maison qu'à l'école. À côté de ça, tout ce qui va concerner la rencontre avec les autres, les apprentissages sociaux, va avoir du mal à se faire dans un univers aussi restreint. Comment on se débrouille pour équilibrer les deux ? C'est facile comme question. Hein. La réponse, c'est vous, c'est pas moi. Non, mais on va pas répondre parce que, en fait, la réponse, elle est singulière. Évidemment, oui, c'est le bazar. Il y a plein de contraintes contradictoires. Et donc, non seulement il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais pour le même gamin, il n'y a pas de bonne réponse qui tienne forcément dans le temps. C'est-à-dire que peut-être que la bonne réponse d'un jour, ce n'est pas celle du lendemain. Au fond, l'accompagnement de ces personnalités-là, il suppose une improvisation permanente. Il suppose de se mettre à l'écoute. Et en faisant ça, d'ailleurs, on transmet une liberté, c'est-à-dire qu'on transmet au gamin cette liberté, cette autorisation d'écouter le propre courant de son désir et de ses émotions et de sa pensée. Mm-hmm. Et on est condamné d'ailleurs à tâtonner, du coup, à régulièrement faire des conneries, ce qui n'est pas grave. si on peut mettre l'erreur et la connerie en travail... Au passage, par exemple, c'est vrai aussi dans le cabinet d'un analyste, hein, moi je suis assez convaincu du fait que les moments où je fais des conneries sont souvent les moments les plus féconds si l'analysant peut s'en saisir. C'est-à-dire que s'il a la possibilité d'élaborer et de venir dire vous avez dit ça, j'étais furax, et qu'il y a la place ensuite pour essayer de comprendre pourquoi il était furax, pourquoi il était légitimement furax, et voilà, ce sont des moments clés. C'est très bien de faire des conneries. La vraie erreur, en général, c'est pas la première. La vraie erreur, c'est la seconde. C'est quand on permet pas à l'autre ou qu'on se permet pas à soi-même, d'ailleurs, d'élaborer la connerie. C'est-à-dire qu'on culpabilise tellement que, du coup, l'erreur qu'on a faite ne nous dit rien. Mais sinon, comme dans tout apprentissage, en fait, on a appris à marcher en tombant. Il fallait tomber. C'est là que l'information se mettait en place. Donc, incapable de répondre, il faut les envoyer à l'école ou il faut les garder chez soi. Il faut essayer de sentir et s'autoriser d'ailleurs comme parents à sentir. Oui. C'est d'abord une liberté des parents, si j'entends bien. Et des thérapeutes, si on suit le... Et de thérapeutes. Les choses sont parfois un peu compliquées. Hein, pour avoir déscolarisé un de mes enfants pendant un an, c'est pas simple au quotidien. C'est pas simple au quotidien. On connaît. Oui.
pour revenir sur le déconfinement à proprement parler, j'ai entendu pas mal autour de moi, et puis y compris dans les personnes que je reçois. Alors, de la part de beaucoup de parents, l'idée qu'on ne les renverrait pas à l'école, hein, que c'était beaucoup plus enrichissant à la maison, etc. On en a beaucoup parlé le mois dernier, du fait que c'était beaucoup plus riche à la maison qu'à l'école, au bout du compte, hein, qu'il y avait des enfants qui s'en accommodaient très bien, toujours à condition que les parents soient moteurs, en quelque sorte. Et on a croisé pas mal de personnes qui ont plutôt pas mal vécu le confinement et qui vivent plutôt le déconfinement comme un moment assez angoissant, comme une rentrée des classes en quelque sorte, c'est-à-dire un moment pas très drôle, quoi, dont on n'a pas forcément envie, et retourner à l'ordinaire ne nous enthousiasme pas en quelque sorte. Mais c'est ça, c'est que pour l'instant, tout le monde est d'été. Là, c'est tout frais. Beaucoup de gens ont encore peur, sont timides, mais progressivement, ça, voilà, comment ça. Mais en effet, si c'est pour ressortir et revenir à exactement pareil, comme si c'était rien passé, c'est complètement angoissant pour beaucoup de. Alors peut-être que là, là pour le coup, ça y est, là on est sur un écart, sans doute. Sans doute qu'il y a une majorité de gens qui sont ravis et soulagés que. J'imagine, hein, c'est une hypothèse, que voilà, ouf, ça y est, on revient à la vie d'avant, ouf, ça y est, on retrouve nos libertés, bon. Et puis ça y est, on peut à nouveau se rattacher, comme on le faisait avant, aux croyances du récit sur lequel on prenait appui. Mais pour les HP, là, non, le déconfinement, c'est très dur. Autant le confinement, ça avait été plutôt quelque chose comme ouf, moi qui de toute façon vis confinée, en un sens, tout d'un coup, fantasmatiquement, je me sens plus en lien qu'à l'habitude, parce que les gens sont comme moi, finalement, tout le monde est face à sa solitude, et il y a quelque chose aussi à y trouver, il y a quelque chose aussi à y découvrir, et il y a eu le temps en plus pour ça, y compris d'ailleurs dans la relation à l'enfant, pour ceux qui étaient parents, ou bien pour ceux qui étaient seuls chez eux, c'était aussi une expérience souvent assez intense, assez vertigineuse même, et libératrice, paradoxalement. Et alors, arrive le déconfinement, et là, oui, c'est de la déconfiture, c'est-à-dire qu'en effet, si c'est pour faire comme si de rien n'était, là, ça commence à devenir vraiment profondément angoissant. Donc, et comme on est dans cette espèce de temps de latence où les choses, où le jeu n'est pas encore relancé finalement, où tout le monde est encore un peu sonné, hein, on est encore un peu dans un moment qui flotte. En fait, c'est pas fini, ça flotte, mais ça commence à être en effet, ça sent un peu la rentrée des classes, mais ne nous y trompons pas, les choses ont changé. Je crois que la situation n'est plus la même. Et quand je dis la situation n'est plus la même, c'est pas objectif. C'est pas un truc. C'est que le rapport au récit est plus tout à fait. Et la déflagration ne fait que commencer. Donc, moi, je suis très attentive et passionnée par les mois et les années qui arrivent là, parce que je pense que pour l'instant, on peut se donner et se raccrocher à l'illusion que non, on va revenir au monde d'avant. Mais là, je crois que ça sonne l'alarme, au contraire, qu'on est passé dans une nouvelle ère, même si peut-être qu'il va en falloir plein d'autres, hein, des crises de ce genre. Pour que vraiment, on réunisse complètement les conditions pour que quelque chose de véritablement efficace se passe. Mais on sent bien que peu à peu, pas à pas, quelque chose s'enclenche. Alors, il manque peut-être un élément, là, mais on y est presque pour que on soit sur un défi très un plateau, un jeu des forces là qui commence à être intéressant et effrayant en même temps. Alors, cela dit, on rejoint là quelque chose qui est à mon avis central et pas si fréquemment aperçu.
et dans l'articulation avec la question des HP. Mm-hmm. Des 10 HP, bon. Et qui d'ailleurs, dans la clinique, dans la pratique clinique, est un enjeu considérable, qui est la place de la question politique. Parce que d'habitude, il paraît assez évident que quand quelqu'un va chez le psy, il y va pour parler principalement quand même de son histoire intime. Alors si c'est un analyste, il y va pour parler de papa, maman, le complexe d'Œdipe, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'apprentissage de la propreté, voilà. Pour caricaturer. Hein. Et tant qu'il parle de ça, il est dans la résistance. Il ne parle pas des choses qui comptent. Bon, ça c'est dans le dogme psychanalytique. Chez le psychiatre ou chez le psychothérapeute, il y va pour parler de ses symptômes, sa souffrance, ses angoisses, ses anxiétés. Bon. Alors, s'il se met à parler de métaphysique ou s'il se met à parler de politique, c'est qu'il ne parle pas vraiment de lui et ce n'est pas le lieu. C'est quand même très souvent comme ça que c'est considéré. Or, s'il y a bien une chose flagrante avec les gens qui viennent nous voir, c'est que eux viennent nous voir avec une quête de sens qui est multidimensionnelle. Mmh. Et que, bien sûr, ça s'enracine aussi dans l'histoire archaïque de l'individu. Évidemment, dans l'intimité, de la même façon que, là, tout à l'heure, on parlait de politique, mais je ne suis pas dupe. Mes idées politiques, ça raconte aussi mon histoire intime. Mon papa, ma maman, et ce qui s'est passé, évidemment. Mais ça n'est pas que ça. Pour que quelque chose ait du sens, pour qu'un acte ait du sens, pour qu'un moment soit plein de sens, en fait, il faut que le récit dans lequel il vient s'inscrire soit multidimensionnel et contienne un grand nombre d'échelles simultanément. Mmh. Et ce qui fait que d'habitude, finalement, la politique n'a pas lieu d'être dans la quête d'un individu en analyse ou dans le travail psychothérapeutique, c'est que finalement, on fait fond, d'habitude, au fond, aussi bien le psy que le patient ou l'analysant, on fait fond sur l'idée que quand même, globalement, bah, le monde a du sens. Voilà, hein, si les choses sont comme ça, c'est parce qu'elles devaient être comme ça. Au fond, toutes les sociétés, de toute façon, produisent toujours un discours visant à légitimer l'ordre social. Donc, on fait fond sur ce discours et sur cette croyance. C'est évident qu'il faut s'adapter. Voilà, si les choses sont comme ça, si le monde du travail est comme ça, il y a des défauts, il y a des problèmes, mais globalement, ça a du sens. Et c'est pas une question d'idéologie politique. C'est-à-dire qu'il y a mille manières aussi d'être très profondément conformiste en ce sens-là, tout en étant, soi-disant, d'extrême gauche ou très radical ou communiste, ou etc. Mais où, au fond, on ne remet pas en cause le récit, y compris le récit d'ailleurs de l'appartenance au parti communiste, ou etc. Les HP, ils sont subversifs en un autre sens. Même quand ils sont chrétiens traditionnalistes, ils sont très subversifs parce qu'ils ne le sont pas à la manière habituelle. Mmh. Certains d'ailleurs sont venus me voir. Ça a été assez amusant. On a très bien travaillé ensemble. Il y a des gens qui sont venus me voir alors qu'ils avaient bien lu, même si... Enfin, quand on lit un peu nos bouquins entre les lignes, on voit bien de quel bord on se situe. Et ils savaient bien qu'ils n'étaient pas du tout de mon bord idéologique. Mais ils venaient me voir parce que fondamentalement, ils étaient... D'ailleurs, si j'étais chrétien, j'aurais été comme eux. C'est-à-dire que eux, c'était ce que j'appellerais moi un vrai chrétien. C'est-à-dire que, pour le coup, ce n'était pas juste aller à la messe et se livrer à un petit cérémonial. Non, c'est que dans ce cas-là, s'ils croient... Et d'ailleurs, si moi, je croyais que si un jour j'ai la révélation et que je me mets à y croire, je serais très fervent et je passerais mon temps dans les Écritures pour essayer d'interpréter le message. Donc, ils étaient traditionnalistes parce que, évidemment, si on pense que le Christ a été le porte-parole du Seigneur, sa parole n'a pas vocation à être upgradée ou updatée à intervalles réguliers. Elle a vocation à être interprétée, mais la tradition dans ce cas-là est fondamentale. Bon. Et en fait, ils sont subversifs dans leur manière de l'être, parce que même dans leur propre milieu, ils font tâche. Parce que eux, au fond, dans leur manière de s'approprier directement la parole christique, ils remettent en cause finalement implicitement non seulement l'institution ecclésiastique, mais tout ce qui tourne autour, le cérémonial et les paroles d'autorité habituelles.
Et donc, ce dont je parle là, c'est finalement, dans nos hypothèses, ce qu'on appelle HP, ce qui se traduit fréquemment par des performances cognitives, c'est d'abord un mode d'adhésion plus problématique que le mode typique aux récits par lesquels les parents d'abord et toute une société proposent de donner du sens à l'existence. Donc ce sont des individus qui questionnent, qui n'y croient pas tout à fait aux fables qu'on leur raconte, qui en aperçoivent le statut de fable. Ceux-là ont terriblement besoin aussi de refonder la politique. Ils ont besoin de penser le monde. Peut-être d'ailleurs pour le conserver. Peut-être sont-ils conservateurs. Ils ne sont pas nécessairement... ils sont pas sur un bord ou sur un autre de l'échiquier politique. Mais ils remettent en cause l'échiquier lui-même. Ils ont besoin de le repenser. Et du coup, c'est un élément fondamental même du travail en analyse. C'est dans un aller-retour, évidemment, avec leur histoire intime. De toute façon, quand on reçoit quelqu'un, bon, c'est notre cas la plupart du temps en plus, ce sont des gens qui, concernés par ce profil, ce sont des gens qui non seulement vont s'interroger sur leur propre vécu et qu'est-ce qui leur arrive, ils vont essayer en effet de tenter une ouverture à leur propre inconscient, bien sûr, ils savent quand même un petit peu qu'ils sont là pour ça, mais pas que, bien sûr, et loin d'eux. Et de s'en contenter, ils sont aussi en train d'interroger le cadre de ce travail-là, ils sont en train aussi d'essayer d'en avoir d'ores et déjà une pensée, bien à eux, tout de suite. Ils sont déjà en train de faire des hypothèses qui n'appartiennent qu'à eux sur qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on leur propose, et puis d'ailleurs qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'ils y amènent, en quoi ils l'incarnent eux, et puis il y a en effet cet universel, cette question de l'universel qui est au cœur de, je dirais même d'ailleurs de l'incarnation singulière dans ces problématiques-là. Oui, ça n'arrête pas de s'articuler, d'être en question constamment. Donc, c'est à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, constamment. Alors, si à ça, le psy, de quelque obédience soit-il, est en train de dire « Bon, maintenant, mais ça, c'est de la résistance parce qu'en fait, vous êtes là pour parler de papa et maman », c'est terminé. Ces gens-là, c'est pas possible. On leur empêche là de faire des liens qui sont tout à fait légitimes, au contraire. Parce qu'on ne peut pas comme ça cloisonner les choses. C'est bien le problème, c'est que ce sont des esprits synthétiques, créateurs, qui ont besoin de faire des liens et qui, donc, quand ils parlent d'une chose, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler aussi de 10 autres choses en même temps et de les interroger toutes ensemble. Et c'est ça qui est passionnant aussi. Mais donc, si on est dans un souci de rabattre la personne sur le récit collectif en vigueur, en se disant que c'est la seule voie d'apaisement et voilà, en tant que thérapeute ou psy qu'on puisse offrir à quelqu'un qui souffre de ce fossé-là qu'il ressent par tous ses pores, on est en train juste de lui imposer une souffrance de plus. Il s'agit au contraire de l'aider à quitter cette rive, à aller vers autre chose. Alors que ça compte d'ailleurs. Même ça, on n'est pas censé le faire, en soi-disant. Il y a plein de trucs qu'on n'est pas censé faire, parce qu'il faut tellement tout cloisonner tout le temps. Mais en tant que psy, on est censé être neutre, pas dire certaines choses, pas parler de certaines choses. Mais avec une clinique comme celle-là, et bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on se permet de faire, parce que c'est carrément vital. Il y a une telle solitude qu'on ne va pas juste faire comme si il ne s'agissait que de cette... Ils ont besoin d'entendre aussi des fois que ce qu'ils disent, en fait, ça fait 10 fois qu'on l'entend par jour. Enfin, qu'ils ne sont pas seuls, même si bien sûr que c'est toujours aussi très, très singulier. Mais oui, qu'il y a quelque chose là-dedans, ouf, qui relève du collectif. Ouf, on peut universaliser quelque chose aussi. On n'est pas un monstre dans son coin, tout seul, à se dire « Oh, peut-être que je suis seule à ressentir ça. » Mais c'est horrible de s'interroger comme ça, de se dire « Mais s'il faut, vu que c'est quelque chose que je n'ai jamais pu partager avec quiconque, ben, s'il faut, je suis seule à le penser, je suis seule à le ressentir. » C'est atroce. Donc, en effet, on est dans de telles solitudes vertigineuses que là, il faut sortir un peu, je pense, franchement, il faut y aller. Non. Vous n'êtes pas seule. En un sens, oui, bien sûr, il y a une solitude existentielle irréductible. Vous êtes un individu, donc vous êtes seule. Mais en même temps, non.
En même temps, non. Là, vous êtes sur quelque chose qui est de l'ordre d'un récit collectif, en effet, qui émerge, en fait, hein, qui existe, mais qui ne s'entend pas lui-même, parce que quand on reçoit, c'est individuel. Donc, il faut faire exister, en effet, l'analyste, c'est celui qui est, enfin, là, en l'occurrence, l'analyste, c'est celui qui est, en effet, aux confluences, à la croisée, de plein de. Plein de paroles et qui se fait aussi le lieu de passage de toutes ces paroles qui s'entendent. Oui, certes, il y a une mise en écho dans le contre-transfert, voilà, de ce qui est dit, mais il y a aussi toutes ces autres paroles. On sait bien qu'il y en a d'autres, des patients, des analysants. On sait bien qu'il y en a d'autres qui sont plus venus avec cette question-là de mais qu'est-ce que c'est que mon rapport au monde ? Qu'est-ce que c'est que cette solitude particulière ? Ouf ! Quelque chose là est donc intelligible et donc. Voilà, on peut le penser, on peut l'universaliser. Ça, c'est important aussi. Et ça rejoint une autre question qui, à mon avis, est clé dans cette période de déconfinement, qui est que cet enjeu politique, il ne peut pas simplement déboucher sur du questionnement. Il doit aussi, évidemment, pouvoir déboucher sur de l'action. Et là, ce n'est pas simple du tout parce qu'on est à une époque où l'effondrement du mouvement ouvrier ces dernières décennies a laissé place au sentiment diffus qu'il n'y avait plus vraiment d'action politique possible, ou comme consommateur, mais que finalement, ça ne servait plus à rien d'agir. C'est un tel sentiment, ce sentiment d'impuissance, que d'ailleurs, ce n'est même pas simplement le sentiment d'impuissance du citoyen lambda. C'est une illusion d'impuissance, je dis bien une illusion, qu'on trouve aussi dans la bouche des soi-disant décideurs, qui eux-mêmes avouent qu'ils... tu parlais tout à l'heure du choc pétrolier de 73. Bon, donc tu dois te souvenir comme moi, moi je suis un peu plus jeune que toi, en 73 j'avais 3 ans, mais tu dois te souvenir comme moi de la campagne présidentielle de 81. Oh oui. Voilà. C'était une époque où quand même, les candidats, quand ils s'affrontaient dans un débat d'entre deux tours, promettaient la lune. Vraiment. C'est le moment de draguer les électeurs. C'est le moment où on leur promet des choses fantastiques. Si on compare les promesses qui étaient faites dans ces débats-là, à ce qu'elles soient mensongères, c'est pas de ça dont je veux parler. Ils se posaient vraiment comme... potentiellement pouvant changer la société ou la maintenir, en tout cas tout bouleverser. Bon. Quand on compare au débat d'entre-deux-tours de ces dernières années, j'y mets le débat d'entre-deux-tours parce que celui-là est significatif, parce que c'est le moment normalement où ils nous draguent. Donc c'est le moment où normalement ils doivent nous promettre qu'ils vont nous emmener voir les étoiles. Sauf que les débats depuis 15 ans, c'est grosso modo quelque chose dont le fond est bon, de toute façon, on a très peu de marge de manœuvre, hein, parce que le budget de l'État, c'est une peau de chagrin. Et donc, au sein de cette micro-marge de manœuvre, je ne peux évidemment pas vous promettre qu'il n'y aura plus de chômeurs, ni vous promettre que tout ira bien, ni rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de faire un peu moins catastrophique que mon adversaire du jour. Je vais essayer d'être un peu moins impuissant que lui. Mais il y a un discours d'impuissance énorme, qui est le pendant, finalement, de cette contre-révolution néolibérale, qui avait vocation à affaiblir les États en les surendettant et du coup à faire de la contrainte budgétaire la marque de l'impuissance radicale. Donc, voilà, c'est le marché qui décide. Et si le marché décide, autant dire qu'il n'y a plus aucun acteur qui décide. Mais c'est un mythe, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de montrer cette période. C'est-à-dire que quand ils décident de confiner, bah, ils confinent. S'ils décident d'arrêter l'économie, ils l'arrêtent. Et s'ils décident de faire surgir des milliers de milliards de dollars ou d'euros, ils les font surgir. Non pas que ce soit magique, mais c'est possible. Et que donc, il y a bien des choix politiques derrière. C'est-à-dire qu'il y a bien la possibilité de penser collectivement la société dans laquelle on veut vivre. Et c'est bien ça qu'il va falloir trouver ou retrouver, et inventer aussi, inventer un mode d'action collective qui soit peut-être nouveau, en empruntant plein de choses qui ont existé, mais en ayant aussi, en tirant les leçons du passé. Mais bon, voilà, il va falloir agir, et agir ensemble,
Sinon, si on se retrouve coincé avec la conviction que notre champ d'action ne peut être que ultra limité et qu'on est fondamentalement impuissant, on va suffoquer. C'est ce dont suffoquent un certain nombre des gens qu'on reçoit. Parce que eux ne parviennent pas à croire ce à quoi croient les autres, que malgré tout, ils tiennent leur rôle dans une machine qui, bon an, mal an, permet le progrès. Oui, mais encore une fois, je ne suis pas sûre que l'action va venir de ceux qui croient à l'action possible. Enfin, peut-être, il y en a certains, oui, tant mieux, super, mais finalement, ce que je vois aussi, d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, c'est que c'est le débordement de la souffrance qui fait que, de toute façon, ça n'est plus possible. On ne sait même pas quoi, on ne sait même pas vers quoi on va, mais on peut pas ne plus y aller, quoi. Il faut y aller. Parce que c'est juste plus tolérable. Encore une fois, je reviens à cette notion de seuil de tolérance. Il y a un moment où c'est plus possible. Les gilets jaunes, par exemple, bon, aussi flou que ça ait pu être, hein, c'est pas pour, je veux dire, au début, ça ressemblait peut-être à rien, mais finalement, petit à petit, il y a des choses qui se sont précisées, qui se sont structurées, et des choses qui ont été dites, qui ont été formulées, qui étaient de plus en plus cohérentes et qui étaient absolument pas prévisibles par les gens eux-mêmes. Donc, c'était vraiment… Il y avait quelque chose qui était plus fort que la raison. C'est quelque chose de plus fort que la raison qui fait que, finalement, ça finit par déborder. J'ai une demande de précision par rapport à des choses qui se sont dites tout à l'heure, et je crois que c'est à, peut-être je me trompe, hein, mais je crois que c'est à Carlos que ça s'adresse. Je la livre telle quelle. C'est très intéressant le fait que si nous parlons métaphysique ou autre en rendez-vous psy, on ne parle pas de soi vraiment. C'est très intéressant. J'aimerais plus de précision, s'il vous plaît. Ça... Moi, je pense qu'on parle de soi même quand on parle de métaphysique. Mais bon. D'habitude, on a tendance à considérer qu'il faut cloisonner, qu'il y a des domaines. Il y a le domaine amoureux, par exemple. Il y a le domaine des émotions. Il y a le domaine du rapport à la famille. Il y a le domaine professionnel. Et puis, il y a le domaine de ses croyances. Parce que ça, c'est le rapport typique, justement, à la croyance. Je citais le christianisme tout à l'heure, mais le chrétien typique, en fait, il croit. À quoi il croit vraiment ? Est-ce qu'il est vraiment chrétien ? À mon sens, non. Hein. Il croit qu'il est chrétien, mais en fait, il s'en fout un peu. Il croit surtout au milieu social qui lui a dit qu'il y avait un Dieu. Il croit à papa, en fait, à papa et maman qui lui ont dit, tu sais, là-haut, il y a un Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il croyait vraiment, par exemple, typiquement, il ne commettrait pas de péché, ou quand il en commettrait un, ce serait un énorme problème. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir en face de moi des interlocuteurs qui se disaient chrétiens ou musulmans ou juifs, et de me rendre compte dans la discussion que je connaissais beaucoup mieux leur texte sacré qu'eux-mêmes. Et pourtant, je n'ai pas fait des études de théologie, c'est juste que par curiosité, je m'y suis un peu plongé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mafieux italo-américain que je citais dans mon premier bouquin, il est chrétien en un sens, oui, il ne supporterait pas que sa fille épouse un juif, et si son petit-fils était baptisé, il en ferait une maladie. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, il est chrétien ? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là ? C'est à quoi croit-il ? Sans doute pas à ce à quoi il croit. Bon, à quoi il croit croire, j'aime bien prononcer cette phrase. Bon. Et au fond, dans ce mode de croyance typique, où finalement, on ne réinterroge pas l'objet de sa croyance de manière singulière, on y croit à la façon dont le groupe y croit. Et on y croit, au fond, parce que le groupe y croit, et parce que la croyance du groupe nous garantit la validité de cette croyance. Dans ce mode-là, en effet, on peut cloisonner les choses. Si on est dans une quête singulière de sens, alors évidemment, tout s'imbrique, ou plus exactement, tout se reflète. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étanche dans l'inconscient, dans ce qui va faire sens pour nous. Évidemment que tout est lié.
Et que d'ailleurs, c'est aussi bien une question épistémologique. Quand avec Sandrine, on écrit un bouquin et qu'on essaye de théoriser de manière conceptuelle très fine, qu'on essaye de faire de la philosophie, on est constamment en train de se poser la question de si on n'est pas, au fond, en train d'étaler au fond, nos névroses, ce qu'on est sans doute aussi en train de faire. On est en train de déployer l'arbitraire de nos histoires intimes. Bon, bah, on n'y peut rien, on ne peut pas penser sans faire ça aussi. Et ben de la même façon que en fait nos histoires intimes sont là quand on fait de la théorie, la théorie elle est importante aussi pour la quête de l'intimité. On parle de soi dans tous les cas, et quand on parle de soi on parle du monde, parce que finalement si je m'interroge vraiment sur d'où je viens, qui étaient mes parents, je retrouve toute l'histoire de l'humanité, je retrouve de la sociologie, de l'anthropologie. Oui, et puis celui qui parle du monde, il parle de lui sans même parfois s'en rendre compte. Et justement, peut-être qu'un psy, c'est aussi là pour ça, pour dire « Ah, mais ça, c'est qui parle là ?» Donc, faut arrêter de cloisonner, quoi. On n'arrête pas de dire ça depuis le début. Et sans doute que la période s'y prête particulièrement bien, avec les l'air que ça peut faire entrer, même si c'est une période difficile, et les possibles qui peuvent s'ouvrir. Je suis assez sensible à ce que tu disais tout à l'heure, Carlos, à propos de le fait qu'on avait un discours politique idéologique, enfin, avec des espoirs qui étaient portés, avec des changements de société qui semblaient possibles, avec un demain qui... Dans les années 80, oui. Avec les années 70 surtout. Et il semble que ces idéologies-là, je ne parle pas particulièrement d'idéologie socialiste ou communiste, mais en tout cas cet espoir, il semble que cet espoir soit dilué dans le temps, hein, de manière un peu curieuse, et que, assez bizarrement, l'expérience qu'on vit aujourd'hui de confinement, de petit déconfinement, et encore pas partout, hein, les zones vertes, les zones rouges, il y a les pays qui viennent de se fermer, d'autres qui ont fini de s'ouvrir, enfin bon, c'est un petit peu chaotique tout ça, mais bizarrement, cette période compliquée, avec beaucoup de stress par certains côtés, semble rouvrir des champs possibles, alors qu'il y a deux ou trois mois, il semblait ne plus y en avoir. Vous avez ce sentiment ? On a essayé de nous faire croire que le seul terrain d'invention possible, c'était l'entrepreneuriat. On pouvait en effet inventer et innover de nouveaux produits. Certes, mais toute l'histoire de l'humanité est là pour nous montrer que non, on peut inventer beaucoup d'autres choses que des produits à vendre, qu'on peut inventer des rapports sociaux différents, on peut inventer des modes d'organisation différents. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête maintenant. Toutes les sociétés ont toujours produit un discours visant à montrer qu'elles étaient éternelles. Et ce qui est assez amusant, c'est que la nôtre, qui est pourtant d'une instabilité étourdissante, propose ce même discours, ce même mythe, et jusqu'à présent semblait un peu y croire. Mais voilà, peut-être que c'est très en panne là, c'est plus en panne que d'habitude. C'est étonnant quand même, parce que l'humanité n'a que quelques milliers d'histoires derrière elle. C'est quand même vraiment très jeune tout ça finalement. Oui, c'est très peu, oui. Et alors elle s'arrêterait là, comme ça? Pouf, avec le néolibéralisme, c'est étonnant quand même. Alors, qu'est-ce qui fait que là, il y a des croyances qui bougent, qui s'effondrent un peu? De toute façon, à chaque moment crucial comme ça, de crucial de l'histoire, on voit bien qu'il y a un moment de bascule. Il y a toujours des événements comme ça qui surviennent, violents, et qui ébranlent des croyances. Alors, je repense à la croyance, et à chaque fois c'était il y avait ce même sentiment, sans doute. Il faut imaginer en effet, avant la Révolution française par exemple, la personne du roi, c'est en effet Dieu sur terre, et ça personne dans aucune tête avant
Et puis en quelques années, tout d'un coup, bah, ça s'effondre au point qu'on finit carrément même par le mettre à mort sur la place publique. Enfin, ça, c'est incroyable. C'est incroyable à quelle vitesse ça a pu aller dans les têtes. Oui. À quelle vitesse ça s'effondre et à quelle vitesse, en effet, aussi, ce sentiment d'impuissance asphyxiant se lève. C'est ça aussi qu'il faut remettre en perspective dans l'histoire. Et à quelle vitesse apparaît une intelligence collective ou pas d'ailleurs, ou des phénomènes collectifs terribles. C'est pas. Ah oui. Mais disons que le vite aussi, hein. L'évolution des mentalités, s'il y a bien une chose évidente, c'est que l'évolution des mentalités n'est pas du tout une fonction linéaire du temps. Ni, d'ailleurs, l'évolution de la conscience, ni chez un individu, ça passe par des crises, ni à l'échelle collective. Mine de rien, si on reprend la Révolution française, il y a eu des choses terribles et effroyables dans la Révolution française. Mais ça a aussi fait basculer en 20 ans un monde dans un autre. Ça a fait naître la nation, d'ailleurs. Ça a changé complètement les rapports hommes-femmes. Ça a profondément changé les mentalités, à tel point que quand il y a eu la Restauration en 1815, il y a beau avoir de nouveau un Bourbon sur le trône, tout le monde sent que le monde ancien ne reviendra jamais. Et Chateaubriand peut se désespérer parce que quelque chose est totalement fini, ne reviendra plus jamais. Et quand on pense quand même que, par exemple, le divorce est institutionnalisé en 93, en 1793, le divorce, hein, je veux dire, le machisme en 88, si déjà il est encore très fort, bon, on peut imaginer ce qu'il était. Hein, qu'est-ce qui s'est passé dans les rapports hommes-femmes en 3 ans, 4 ans pour que l'institutionnalisation du divorce devienne possible? Un nombre de choses incroyables. C'est aussi ça. C'est une drôle de glaise, l'être humain. De la même manière qu'à l'échelle individuelle, c'est à partir de nos névroses, de nos souffrances qu'on crée les plus belles choses. Ou des choses terribles, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est quitte ou double. À l'échelle collective, c'est sans doute vrai aussi. Bon, je crois qu'on va être arrêté par le soir. Progressivement, on va s'éteindre. Oui, c'est pas nous. Hein, c'est... Oui, écoutez, on va peut-être pouvoir en rester là avant d'avoir disparu. Moi, j'ai une petite lumière, j'ai été sombre longtemps, mais je m'éclaire peu à peu. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Pour ces échanges. On va essayer de se retrouver le mois prochain pour une autre conférence. Hein. On va essayer de rester sur un rythme mensuel, peut-être sur des aspects plus scientifiques que ces deux dernières, les deux premières conférences, puisqu'on a été très à orientation psychanalytique. Donc, on va essayer d'équilibrer un petit peu les choses pour la prochaine. Merci. Merci. Comment ? Merci à toi. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, très bientôt, j'espère, pour continuer nos échanges. Je fais pour Bruno le clap de fin et le lancement du générique. Top.